c'était standard de la SNCF, mais d'une époque que plus beaucoup de monde ne connaît. Donc des fois, on a des problèmes avec des technologies qui étaient anciennes et qui ne sont plus forcément connues maintenant. Ça dessert toute la vallée. Je pense que c'est important que ça continue pour tous les gens qui habitent dans le coin, que ce soit les travailleurs ou les touristes. C'est un attrait supplémentaire pour la région. Outre l'envie de le préserver, il y a vraiment une envie de le développer. Voilà. On a deux projets, deux grands projets. C'est à la fois la révision générale pour perdurer l'exploitation, pour continuer l'exploitation du train au-delà de 2030. Ça, c'est un premier sujet. Et il y a une volonté d'acheter, de renouveler du matériel, acheter du matériel neuf, qui soit à l'image du train ancien.